Faut que j'avance lentement sans faire de bruit. Oh non, le veilleur m'a vu. Je dois me déplacer lentement et en silence pour ne pas me faire repérer. Je dois être prudente. Il faut que je voie leur trajectoire. J'y suis presque. Le voilà. Qu'elle me repère. Hé, allez. Quoi? Mais comment? Suis-moi, te lève pas.
Oh non, le veilleur m'a vu. Comment tu fais pour les éviter ? Mais comment tu fais ça ? Mais comment c'est possible ? Ce n'est pas un jour. Attendez, que la toute mère vous bénisse. Tous les deux. Elle m'a sauvé. Je veux seulement... Stop ! Ne dis plus rien. Ce sont tous les deux des parias. Et celle-ci, elle n'a même pas de mère. Demi-tour ! Au cœur de la mer. Et toi, tiens. Ce garçon n'aurait jamais dû nous parler. Il a transgressé la loi. On rentre à la maison. Suis-moi. Je connais le chemin. Stop, ne dis plus rien. 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 T'as rien à faire ici, là, sans mère. Tu saignes ? Attends que je regarde. Bon, je m'en occupe. Bouge pas. Pourquoi ? Chut. Mais pourquoi est-ce que je suis une paria ? Aloy, c'est vraiment pas le moment. Je veux savoir qui était ma mère. Aloy, on en a déjà parlé. Je n'ai pas cette information. Tu venais tout juste de naître quand les matriarches t'ont confié à moi. Donc les matriarches, elles savent ? Oh, c'est bien plus compliqué que ça. Elles le savent alors. Aloy,
toi et moi, on est des parias. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle me le dise? Les matriarches, je ne sais pas, mais j'ai peut-être une idée. Bah allez, dis-moi. Ça pourrait te coûter la vie. Comment? Il faudra t'entraîner pendant des années. Ça m'est bien égal. Comment est-ce que je dois faire? Explique-moi. Le rite de passage. L'éclosion que la tribu pratique chaque année. Ceux qui surmontent l'épreuve deviennent des braves. Quant à celui qui l'emporte, les matriarches lui accordent une obole. Une obole? C'est ça, quelle que soit la demande formulée. Alors je vais le faire. Je donnerai tout ce que j'ai. Et je gagnerai l'éclosion. Évidemment. Il va falloir qu'on s'y mette au plus vite. L'entraînement sera éprouvant. Et il faudra y consacrer des années. On s'y met alors? Allez, dépêche-toi! Où est-ce qu'il est? On est à 2 jours de l'éclosion et il disparaît? Non, il ferait pas ça. Thank you.
Je saurai quoi en faire. Il m'avait dit qu'on irait chasser. Pourquoi il est pas là? Où est-ce qu'il est passé? Qu'est-ce qu'il fabrique? On dirait qu'il attend. J'y comprends rien. Aloy. Tu es là. Tu veux que je te laisse? Non. Je dois te parler. J'ai réfléchi à ton entraînement, Aloy. Je t'ai appris à chasser, à survivre. Mais il y a quelque chose que j'ai omis de t'enseigner. Veux-tu l'apprendre? Bien sûr. Tout ce que tu m'enseignes est important. Il y a eu des incidents. C'est l'occasion idéale pour cette dernière leçon, mais ce sera dangereux. Il faut que tu sois préparé, ou tu mourras. Va chasser dans l'étreinte et récupère les pièces nécessaires à des flèches de feu. Des flèches de feu? Mais de quel genre d'incident on parle? Quand tu auras tout trouvé, retrouve-moi là-bas, la porte près du village du cœur de la mer. La porte nord? À la frontière de l'étreinte? Oui, c'est ça. Allez, allez, ne traîne pas. Il y a autre chose qui te tracasse? Non, tout va bien. Tu t'inquiètes de ce qui va se passer après l'éclosion? Je sais ce qui va se passer. Tu seras accepté comme membre de la tribu et je resterai un paria, un invisible. Rost, même si la tribu m'accepte, je... Nous avons du travail, Aloy. Nous parlerons de ça plus tard. D'accord. Je vais chercher les pièces, mais j'en profiterai pour dire bonjour à Karst. Aloy, cet homme enfreint le règlement à chaque fois qu'il te parle. Et je l'en remercie. J'aurais besoin d'acheter un lance-câble et c'est le seul à traiter avec les parias. Fais-le plein de munitions, alors. Cette arme te sera utile ce soir. C'est assez inquiétant. Très bien. On se voit à la porte nord. Il neige fort, tout de... Qu'est-ce que tu attends? Tu as des pièces à trouver. Il y a autre chose que tu veux que je fasse dans l'étreinte? Oh... Gratta la félie ne doit plus avoir à manger. Tu pourrais lui chasser un peu de viande, si tu as le temps. Ce qui serait bien, c'est qu'elle dise merci pour une fois. Oh, Gratta suit le règlement. Son silence envers nous est normal, ne le prends pas mal. Puisque tu le dis... Il y a quelque chose qui le tracasse. S'il croit que je vais l'abandonner, il se trompe.
L'étreinte. De toute ma vie, je ne suis jamais allée au-delà de cette vallée. L'éclosion va changer tout ça. Deux jours. Deux jours et j'aurai mes réponses. Deux jours et je saurai d'où je viens. Et pourquoi on m'a rejetée à la naissance. Comme si ça pouvait se justifier. Bon, il faut que je trouve les pièces pour les flèches de feu. D'abord, trouver un troupeau. Le cœur de la mer. Dans deux jours, je saurai enfin à quoi ça ressemble. Tant de gens au même endroit. Je pourrais sûrement dire adieu à la solitude. Reste tranquille, elle va se lasser et reprendre son chemin. Pourquoi elle ne laisse pas la tribu tranquille à la fin ? C'est grande pour connaître les règles de la toute mère nous protège. On ne parle pas aux parias. Par la déesse. Elle peut pas me laisser tranquille. Refuse de m'aider. Tu veux parler à une paria ? J'ai besoin d'aide. Je me fiche des conséquences. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es blessé à la jambe ? C'est pas pour moi, c'est pour ma fille, Arana. Elle est en danger. Elle a suivi une charognarde près du berceau de la mer. Je crains pour sa vie. Je ne peux pas m'enlever. Je ne peux rien faire du tout. Est-ce que tu peux m'aider ? Ta fille s'est lancée après une charognarde toute seule ? C'est ma faute ! C'est moi qui l'a traquée. Elle m'a démoli la jambe. Je m'en suis sorti, mais ma lance est restée fichée dans son corps. Elle avait été fabriquée par Edena, ma compagne, qui est morte. Arana chérit cette arme. C'est pour la récupérer qu'elle a suivi le monstre. Je ferai ce que je peux pour retrouver ta fille. Il faut que tu la sauves. Je t'en prie. Thank you.
Je peux m'en sortir. Gardez l'avantage. Merci. J'ai vraiment cru que ces veilleurs allaient me déchiqueter. Ton père m'a envoyé te chercher. Il faut que tu rentres. Je sais. Mais je partirai pas avant d'avoir repris la lance de ma mère à cette charognarde. Cette lance est importante pour toi.
Ma mère l'avait fabriqué juste avant de mourir. Je suis si triste que mon père l'ait perdu. Il n'a pas fait exprès. Les charognards sont redoutables. Je sais. Mais l'idée qu'elle soit perdue à jamais m'est insupportable. Ton père s'inquiète énormément pour toi. Il s'inquiète même quand je m'éloigne pour aller faire pipi dans les buissons. C'est... parce qu'il a peur de te perdre, Arana. Je sais. Mais j'aimerais bien qu'il arrête de me crier dessus. Comment tu t'es retrouvée dans l'arbre ? J'ai pisté la charognarde jusqu'au berceau de la mer. Je l'ai même aperçue, mais un veilleur m'a repérée et a appelé sa meute. Par la toute mer, je suis pas assez bonne chasseuse pour récupérer ma lance, hein ? Je la retrouverai, ta lance. C'est vrai ? Oh, merci ! Va voir ton père. Il s'est blessé à la jambe pendant qu'il te cherchait au sud du cœur de la mer. Oh non. D'accord, j'y vais tout de suite. Merci encore. La pluie résonne comme un tambour. Bonne viande. C'est incroyable. Une paria devrait savoir ce qu'on La piste d'Arana s'arrête ici. C'est là qu'elle a dû voir la charognarde. Si je suis les traces de cette machine, je devrais tomber dessus. Pour fabriquer des munitions. Je vais les éviter pour l'instant.
Eh oui, c'est encore la paria orpheline. Allez-y, régalez-vous. Non, moi je parle pas aux méchants parias. La paria. Je n'ai strictement rien à dire à une paria. Point. Elle croit vraiment que les règles de la tribu ne s'appliquent pas à elle. Je dois aller voir Karst. J'ai besoin d'un lance-câble. Que la toute mère me protège. Je ne vois personne dans le coin. Je crois que c'est sans danger. À mon avis, il doit m'attendre. Le voilà. Il a l'air nerveux. Tiens, tiens, tiens. Une paria devant chez moi. Que la toute mère me protège. Je suis surprise que tu m'aies vue, tu regardes partout sauf vers moi pour vérifier que personne ne nous voit. Méfie-toi pour tes cervicales. C'est surtout dangereux quand tu viens me voir, petite, ça finit toujours mal. On peut savoir pourquoi tu es de si bonne humeur ? Après l'éclosion, tu feras partie de la tribu et tu traiteras avec les marchands du cœur de la mer. Peut-être bien que je n'aime pas perdre mes clients. Les marchands qui suivent le règlement et ne vendent pas aux parias. Exactement. Et nos petits arrangements seront du passé tant que tu la boucles. La dernière fois que je suis venue, t'avais un lance-câble dans tes réserves. Tu l'as toujours ? Bien sûr. Mais je veux une lentille de charognarde. Qu'est-ce que tu veux ? Ça a un prix, les armes spéciales. Ça j'ai. J'ai abattu une charognarde l'autre jour. La lentille était en parfait état. C'est à moi d'en juger. Fais voir. Je croyais que tu voulais un lance-câble. On fera affaire dès que tu seras prête. Maintenant que tu t'es trouvé un lance-câble, va t'entraîner un peu plus loin, d'accord ? J'ai suffisamment de problèmes sans en plus me prendre les pattes dans des pièges électrifiés. Ah oui ? On aurait pu croire. Tu as peur que je révèle que tu fais affaire avec les parias ? J'ai pas l'impression que ce soit ton genre. Mais sait-on jamais ? Je te rassure tout de suite. Ça restera entre nous. Ah, c'est bien ce que je pensais. Mais je suis content de l'entendre. La seule personne qui est au courant de nos affaires, c'est Rost. Ouais, bon, c'est pas comme s'il allait me dénoncer de toute façon. C'est le genre à respecter le règlement à la lettre, ton Rost. Comment tu le supportes ? Tu ne sais vraiment pas pourquoi il a été banni ?
Je te l'ai déjà dit, non. Je ne crois pas que quelqu'un le sache. Mais ça devait être grave parce que c'est un bannissement à vie. Pourquoi tu prends ce risque ? Bosser avec les parias ? Tu me demandes à chaque fois. Si tu crois que je vais t'expliquer mes motivations profondes, tu rêves. C'est parce que t'en étais un avant, c'est ça ? Ouais. Je me suis fait choper à farfouiller dans les ruines de métal au-delà de l'étreinte. Les matriarches ont dit que j'étais souillé, elles m'ont banni pour 5 ans. T'as vu quoi dans les ruines ? Rien que je pouvais comprendre. Après le bannissement, j'ai voulu retourner vivre dans le cœur de la mer, mais... tous ceux que je connaissais n'y étaient plus, et il y avait trop de monde partout. Je suis bien mieux ici. Tu seras là, plus tard, si jamais j'ai besoin d'autre chose ? Je ne bouge pas. Apporte-moi les matériaux que tu récupères sur les machines que tu abats à la chasse. Les meilleurs te vaudront plus d'éclat, comme d'habitude. Mais tu devrais quand même jeter un coup d'œil à mon stock. Qui sait ? J'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider à réussir ton éclosion. Je crois que c'est tout pour le moment. Ok. Bonne chance pour l'éclosion. Que la toute-mère te bénisse et tout ça. La piste s'arrête là. La machine a dû traverser la rivière. Allons voir de l'autre côté. Je pourrais balayer la zone avec mon focus. Il veut ma peau. Thank you.
J'y étais presque.